que l'abruti crétin. Tu vois pas que j'essaye de me reposer un peu? Oh là 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 là. Quel abruti. Quel abruti. T'es vraiment un imbécile. Oh. Et ça va pas, non? Tu fais comme ça avec les trois images. Mais pas plus la dernière. Mais fais attention. C'est pas à nous tout ça. Le client va être très mécontent. Oh là là. Quel imbécile, ce crétin. Pas capable de respecter le sommeil des justes. J'ai juste envie de dormir, moi, tu comprends? Oh. Un carton. Deux cartons. Quatre cartons. Cinq cartons. Tu sais que je vais finir par te capturer. C'est inadmissible. Regarde-moi ça. La jambe de bois. T'en tiens une sacrée couche, hein. Ça va pas te le dire. Hein. Même Teresa, elle n'est pas à ce point-là. Oh mon derrière. Oh les pauvres. Dire qu'ils comptent sur moi pour payer leur retraite. On a du pain sur la planche et laisse-moi cette planche. Va me chercher du pain. Ah. Et quelle heure il est? Midi 12 en lit. J'ai dormi un tout petit peu, hein. Je me suis couché et j'avais peut-être 8 heures. Ça oh, c'est lamentable. Et qu'est-ce que tu fabriques? Regarde-moi ça. Il est en train de se faire la valise. Mais reste ici! Fous-moi le camp! Quel idiot, alors! Est-ce que je fais le jour, moi? Tu sais qu'on a un client, un très sérieux client. Il nous a dit, amenez-moi ça tranquillement, en bon état, et vous aurez une belle récompense. Pourquoi faire? T'as compris? Pourquoi faire, oui? Ben, parce qu'il faut qu'on dégage ses affaires qu'il a mis chez nous. Et il ne peut plus payer. Alors, il faut lui mettre dans son logement. Et puis, il y a de la route, hein. Est-ce que tu as une brouette pour emmener tout ça? Mais voilà, la brouette, on l'a échangée contre un dîner. Ah. C'était nos derniers dollars, oui. Ah, on paye le dîner en dollars? Mais en quelle année on est? En dollars? Septembre, octobre, voilà, ça, septembre. Bon. Arrête de déconner. Hein? Est-ce que je déconne, moi? Oh. Allez, au bout de la vie. Oh, mais arrête! Mais c'est pas possible. Tu n'en arrêtes pas une. Regarde-moi ça. Mais t'es franchement, t'es quel abruti. Tu n'as pas vu que ça tombait sur la figure? Regarde un peu le poids que ça fait, ça. C'est pas du plastique. Oh là là, tu es mal. T'es franchement le loi des imbéciles. Allez, on n'a pas que ça à faire, on a du pain sur la planche. Faux. Tu sais qu'il faut déménager tout ça. Il faut. Ok, Oli. Ouais, ok. Ah, allez, j'ai besoin d'air. Ah, j'ai besoin d'air. Ah. Okay. Tu vois pas qu'on a du travail. Il faut qu'on range tout ça, parce que quand on va revenir de l'autre déménagement, on va avoir des choses à stocker. On va les mettre où? Alors, là et tout. On va ranger ça. Hein? Donne-moi un coup de main, tout de suite, et pas demain. Yeah.
Si on s'en va et puis que tout est ouvert, ben, tout le monde va nous voler le stock. D'accord, Oli. Enfermé dans le noir avec la poussière, qu'est-ce qui me retient de te courir? Je vois les habitations dans le fini ce soir parce que moi j'ai commencé à en avoir plein les bottes. Heureusement qu'il n'est pas au 20e étage. Hein. Stan, presse-toi, Stan, on n'a pas que ça à faire. Et le temps est court. Plus vite. Qu'est-ce que tu fabriques là? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Je te dis de te presser. Oui, il faut que je crache dans mes mains pour être sûr. Si tu veux. Oh! Mais ne me mets pas sur mon pied alors, quel imbécile! Je vais te courir après, moi tu vas voir comment ça va se passer. Allez. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu pourrais te presser, je t'ai déjà dit. Et si tu t'énerves pas là, si tu fais pas un peu quelque chose de mieux, de plus rapide, eh bien moi je vais te couper en deux. Et les morceaux, je les mettrai à la braderie. Ok? Allez, avance! Pas possible ça! C'est franchement rapide! Oh, oui. T'as déjà dit qu'il fallait te presser! Oli, j'ai envie d'aller au WC! Mais c'est incroyable! Ça, il fallait y aller avant! Je crois que c'est pas là, j'ai vu ça tout à l'heure en l'entendant. Allez, vas-y, presse-toi, parce que c'est ça qui va faire par terre! Les WC sont fermés. What is the problem? Mais c'est pas grave, t'as qu'à prendre un sac en plastique. Ok? Stanley, qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais qu'on va pas avoir assez de temps. Allez, mais c'est quoi ce machin poisson rouge là? Ah ouais, tu m'énerves toi. Oh, tu m'énerves. Tu m'énerves. Écoute, tu vas faire le ménage ici. Tu vas tout balancer par la fenêtre parce qu'il nous faut de la place, tu comprends? Bon, écoute, moi je descends, je réceptionne tout ce que tu vas m'envoyer. À tout à l'heure. Mais fais vite. Hein. Ok, Henri. Simurkan, tu peux pas te presser un peu? Oh,
On et on est. Ok. Ne ça va pas, non. Mais Stan, fais attention, regarde, tu m'envoies une valise avec du PQ. Mais t'es complètement malade, toi. Regarde-moi ça. Du PQ. Allez. Qu'est-ce que tu fais tout trempé? Oh là là, toi, je vais faire ça. T'as fait, tu vas voir. Action. Oh, ça en est. Ça en est. Je t'en prie, Stanley, je vais te faire ta fête et je ne veux pas attendre la vraie. C'est maintenant ou jamais. J'en ai plein d'eau. Allez, tends-moi ta main. Tends-moi ta main. Là, tends-moi ta main. Pas, non, celle, pas celle-là, celle-là. Tends-moi ta main. Attends-la bien. Allez, avance ton bras. Avance. Avance ton bras. Là. Avance. Non, mais... Ton bras. Triple buzz, voilà! Oh là 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 là! Ah, tu m'énerves! Oh, toi alors, je vais te régler une autre fois ton congé. Ils sont chez moi. Comment ils sont rentrés? Je veux bien te savoir. Il doit y avoir un couillon ici, encore plus couillon qu'eux.